Et coucou, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Alors on va se baigner ici, on est à Laval. Ouais, on va aller se baigner. Il y a des beaux trous d'eau. Ouais. On est le 26 octobre et... Ouais. Et il y a Jonathan, le breton vosgien. Breton vosgien, ouais. Qui va aller se baigner avec moi, c'est trop bien, non? Allez, c'est parti. Tu vas sauter de haut? Ah oui. Ouais, t'as fait profond alors. Je te dis, tu vas pas au fond, tu restes à plat. C'est comme ça. Ah ouais. Oh! Elle est chaude, hein? Ah, attends, c'est rigolo parce que dès que t'as sauté dans l'eau, t'étais toute rouge. Toute rouge? Ouais, tout de suite. Rouge. Allez, vas-y. C'est bon, on a fait. Allez, vas-y. Allez, pipe. Wouh. Elle est fraîche, hein. Ça y est, il est mort. Ça y est, il est mort. Alors, elle est comment? Ça pique. Ah oui. Ah oui. Ah oui, hein, faut savoir, hein. T'as vu, elle redresse tout de suite. Hein? Faut s'arquer comme ça pour... Quand t'es dans l'eau, quand t'es dans l'eau, tu tournes tout de suite. Ah bah oui, ça glisse. Oh. Allez, à vous, hein. À vous, mon gars. À vous, maintenant. Allez, à vous. On va prendre la caméra. Ici, Cognac G, à vous, Paris. Ah, trop bien, hein. T'as vu, il y a des pics pour faire l'escalade sur le rocher. Avant, il n'y avait pas ça. Tu dois faire des... Ah, là-haut, c'est quand même. Bienvenue chez les fous. Voilà. En direct. Ah ouais, elle est bien froide, hein. Elle est un peu plus froide que le tec. Ah ouais, hein. Je dirais qu'elle est à, je sais pas, 13. 13 degrés. 13, je dirais, ouais, non. Ouais, pour l'époque, c'est bon, c'est ça. Je sais pas comment on l'a fait tout à l'heure. Ça glisse. Là, je crois que c'est... Elle est plus fraîche là. Oh, elle est comme dans les Vosges. Hein? Ah ouais. Hein? Là, ici, la mer en Bretagne, je pense qu'elle est à la température. Ah bah voilà alors. On y est. Je pense que là on est à 14 degrés. Ouais, je pense, hein. 14 degrés. Tu nous fais un petit salto là? Allez. Un double. Ouais, mais c'était pas mal. On marchera pas un double. Waouh. Ça a l'air simple, en vrai. Vas-y, à toi, le salto. Ah, moi, je sais pas faire. Ah non, hein. Tu filmes? Oui. Oh, tu
filmer, tu veux. Ah oui, tu fais une petite séance. Moi, je fais une grosse séance. Bah oui, oui. Moi, je filme que les sons. Hein, moi, je filme tous les commentaires. T'as vu, c'est bon pour les calories, ça. Ah bah oui, tu vois, des commentaires comme ça, il faut les enregistrer. Bah oui, moi, c'est bon pour les calories. Au départ, tu sens que c'est froid, mais après, là, moi, je sens que là... Alors, tu sens que ça bouge, ça picote. Ah, tu sens que ça picote, toi. Ça, c'est bien que les gens le sachent aussi, quand ils regardent la vidéo, hein. Parce qu'ils vont croire la vérité. Ouais, parce que sinon ils vont croire que c'est en plein été, qu'on a fait croire que c'est en plein hiver. Ou toi. Bon, déjà ils peuvent voir qu'il y a beaucoup moins de gens dans l'eau, hein, quand même. Et un petit peu seul. Que l'été il y a un peu plus de monde ici, hein. Voilà, on n'est pas en hiver non plus, on est en automne. La preuve, c'est qu'il y a plein de feuilles dans l'eau. T'as pas l'air d'être motivé, hein. Non. T'as pas l'air, hein. Ah ben si, moi je suis motivé, regarde, je filme. Hein, faut bien qu'il y en ait un qui se sacrifie pour filmer. Ouais, un petit coup de pêche. Ah ouais. Non, mais je peux bailler. Moi, je peux bailler, on me voit pas. Voilà, c'est ça. Chacun son tour. Je prête ma serviette. Et mon paillon. Ça y est, moi, elle commence à tirer. C'est bon, ma tante, quoi. Le corps, il se débat, hein. Ah oui, plus tu restes dans l'eau froide, plus le corps il va réagir. Et si tu y habitues, bah oui. Bah, il y en a qui font des bains l'hiver, hein, qui se baignent, ils partent une heure, trois quarts d'heure, une heure, j'ai baigné. Par contre, j'ai dans la petite traînée, là, c'était pas tout trop. Pourquoi ? C'est pas une espèce de serviette hygiénique, je sais pas trop là. Ah. Oh, bah c'est propre une serviette hygiénique, c'est hygiénique. Je savais pas, j'ai cru que c'était un masque. D'habitude. Ah ouais ? Ouais, ouais, c'est du la question. D'habitude, c'est super sale ici. Bah, une serviette hygiénique, c'est hygiénique. Quoi ? Bah, si. Bah. Alors, pourquoi on appelle ça une serviette hygiénique si c'est pas hygiénique ? Bah. C'est comme les masques. Les masques, c'est pas polluant. Justement, c'est ce qui nous empêche de nous polluer. Donc on peut mettre des masques partout, c'est pas dangereux, ça c'est. Ben non. Pour ça d'ailleurs qu'il y en a plein partout des masques. Et ils mettent des masques à la nature, pour que la nature se protège. Bah ben, oui. Ils sont solidaires avec les poissons. Pour ça les poissons peuvent mettre des masques. Puis dans la mer, bah. Ah bah oui, il faut pas s'arrêter hein, quand t'as dans l'eau, il vaut mieux continuer. Hein. Bon ben bah, moi je comprends pourquoi que les écrevisses elles sont rouges. Hein. Surtout quand elles sont dans des rivières comme ici. Hein. Oui. Il y a une rouge comme les écrevisses. Alors bon voilà, vous pouvez voir, hein, sur ceux qui regarderont la vidéo, vous pouvez voir que bah ils ont vachement. Ils sont devenus des peaux rouges du coup. Aïe aïe aïe. Mais quoi, il y a un caillou. Ouais, là, celui-là, là.
Oui, d'accord. Il y a un caillou, mais là, tu sautes là-bas. Hein. Tu plonges au milieu. Hein. Vas-y, André. Prends de l'élan. Mais. Bah, j'ai cru que tu courais, que tu te sautais. Et Cécile, elle le faisait, hein, mais là, rien qu'elle dise, oh, bah non, elle a regardé. Elle y aurait. Elle aurait été. Elle l'aurait fait, hein, mais là, c'est rigolo. Hein, ouais, comme quoi que... Bah, tu vois, tu plonges au même endroit, là. Non, toujours pas. Ouais, non. Super bon pour les formes de la peau. Ah non, mais moi, hey, tu sais, Cécile, moi je suis avec vous là. T'es avec vous là? Ah oui, moi. Ah oui, j'ai pas besoin d'être dans l'eau pour être avec vous, hein. Je suis avec vous là. J'apprécie. T'as pas besoin de faire la même chose pour apprécier la chose. Hein. Bah, c'est sûr, hein. Bah. Vous habitez en bas de ce bateau? Ouais, on habitait le long, on bat tout le temps. Et là, on habitait dans le terrain. Mais il y a plus d'eau. Ah, bah là, il y a plus d'eau, c'est pour me donner. Non, mais en bas, il y avait de l'eau, hein. Là, ça fait. C'est la première année qu'il y a eu. Ah, c'est vraiment la première année qu'il n'y a pas d'eau aussi longtemps, en bas. Mais ici, elle coule toujours, hein. Rivière de montagne. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'eau. Dans la maison, on sautait de là-haut, il y avait beaucoup plus d'eau et tout ça. Là, il y a 20 cm au moins. Allez, ah, là, là. Il va y retourner. Oh putain, oui. Voilà, si j'y retourne, ça va pas faire pareil. Bon, bah, André, hein. Bah, dis donc, t'es courageux, hein. Ah, bah, le pic, hein. Putain, t'es courageux. Ouais, car c'est noir, tu sais. En temps normal, toi, j'ai. Ah, c'est noir, ouais. Bah, ouais, parce que normalement, il y a le soleil qui donne. Ouais, ouais. À quelle heure il aurait fallu venir juste après manger, quoi. Là, c'est impressionnant, hein. C'est sombre. Oui, c'est toujours sombre. C'est des trous, ils sont toujours comme ça. Ouais. Du coup, on sait pas trop combien il y a de profondeur. Bah, j'ai pas touché le sol. Non. Bah, c'est pas... Au fond, c'est des, beaucoup de feuilles, de vases, de machins, tout ça, donc qui s'accumulent, tu vois. Donc, c'est pour ça que... Et puis autour, c'est des arbres. Donc, c'est comme dans les Vosges, le lac noir, il est noir. Pourquoi? Ouais, parce qu'il y a des forêts autour, il y a des prises encaissées, tu vois. Alors, voilà, hein, c'est la même chose. Hein. C'est vrai que là, ça pourrait limite faire un toboggan. Ouais. Ça manque un peu d'eau, quoi. Ah non, je suis sûr que ça glisse hyper bien. Un tout petit peu plus haut, il y avait un parking. C'est un toboggan, on avait fait avec André. Beaucoup plus large, plus lisse, et tu descends et tu tombes dans l'eau. Ouais. 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 C'est sympa, le toboggan naturel. Alors ici, cette petite rivière-là... Ben voilà, quand elle est en crue, elle peut monter jusqu'à là-haut. Ah bon?
Oui, bah oui, vous m'aviez dit la dernière fois. Elle était au niveau de... On a du mal à imaginer. Hein. 8 mètres de large, en bas. Bah, elle a emporté toutes les voitures qui étaient sur les parkings de, du village. Hein. Et c'était une rivière qui fait quoi, 20 km en tout. Ouais. Jusqu'à sa source. En 20 km, elle arrive à avoir une crue de fou. Bon, là, on a du mal à imaginer. C'est un peu comme les gorges du Gard, en fait. C'est très encaissé, tu vois, très encaissé, très sec, et quand il pleut beaucoup, vroom, ça ruisselle très vite. C'est beaucoup du schiste, des terres de schiste, des terres de... Et en fait, ça... l'eau, elle pénètre pas, quoi, ça coule. Plus les montagnes sont encaissées, plus l'eau elle ruisselle vite, et plus ça vient dans les rivières, quoi. Et c'est très très amusant parce que de. Là, juste là, tu vois, dans le noir, là. Il y a des machines à laver, tout ça. Oui, il y en a qui ont jeté ça d'en haut. Là. Il faut vraiment pas la pluie jour de pareil. Ah, ça se faisait beaucoup avant. Hein. Il n'y a pas de déchetterie ici. La déchetterie, c'est la nature. Ah, avant, c'était ça. Hein. Bah oui. Eh oui. Non, il y a aussi des choses qui sont emportées par la rivière hein, quand il y a des crues. Attention qu'il y a déjà eu des caravanes ou des trucs comme ça emmenés. Hein. Ah, bah oui. Ah oui. Un gros orage en fait. T'imagines, il y a ta bagnole qui part avec. Comment ça, on va tout arriver. Et c'est très amusant de voir que cette vallée-là, la vallée de la Vaille, la rivière-là, elle a des crues énormes. Et à côté, on a la vallée Heureuse, qui, elle, n'a jamais connu de crues comme il y a eu avec cette crue. Qu'est-ce qui change? Eh ben, c'est la vallée, les pluies. Non, le... C'est fou. À quoi? Mais il y a quoi? Vol d'oiseau, t'as pas 10 km, hein, t'as quelques kilomètres hein, pour les deux. Hein. Eh ben, cette vallée-là, cette rivière-là, toujours fait des crues énormes que l'autre, non. Ah ouais. C'est très local. Très 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 local. J'aimerais trop voir. Bah, quand ici c'est en pluie, ça doit être fou. Ah bah t'es sûr. Si ça remonte. Ça fait des bruits de tonnerre. Hein. Ah mais ça doit être impressionnant. Mais ça doit être fou. Le courant qu'il doit y avoir ici, ça doit être. D'ailleurs, la petite maison. Si ça remonte jusque là-haut, tu penses? Parce que là où on s'est arrêté, je vous dis qu'on avait habité là, il y a, en contrebas, il y a une petite maison au bord de la rivière. D'accord. Elle a déjà été inondée. Elle n'a jamais été emportée, parce qu'elle est quand même un peu plus haute, tu vois, elle est comme si la rivière est là. Elle est un peu en retraite, tu sais, un peu en hauteur. Et vous, sur le terrain, vous n'avez pas peur? Peur de quoi? Non, mais peur, bah, je ne sais pas, que ça inonde tout le terrain? Non, parce qu'on n'est pas dans le bon sens par rapport au cours d'eau. Ok. On est à l'intérieur du virage, de la... et donc si elle... Si elle voulait des... voilà, elle a tout de l'autre côté. D'accord. Bon, c'est une histoire de confiance. Tu sais, il peut y avoir une fois une crue, puis qu'on n'est pas là, et puis que qu'on revienne. Ah bah, voilà. Bon, bah voilà. Oh, et alors, le tout, c'est de peut-être pas être là quand il y a la crue. C'est sûr, ouais. Si on a une, bon. Faire confiance à la vie. Rien ne nous appartient, même si on le croit. Allez, voilà. Bon, on arrête là la vidéo, hein, parce que on n'est pas prêt de sortir de l'eau, trop bien. Ouais. Non. Après les vaches, bah, ils les gardent pour faire des. Bon, là, on est à la montagne, là. Avec les Vosgiens, les vacanciers.
bien là, avec ton béret là. Allez, hop, hop. Ah, André, ça lui va bien ça. Ah bah lui, il serait bien berger lui. Ouais. Il piquerait tout le lait des vaches, regarde, elle va le charger. Il va tomber dans l'eau. Non mais elle, elle l'a reconnu là. Elle l'a reconnu. Celui-là, il me dit quelque chose. Oh là, oh non, mais là tu fais torero là. Elle a eu peur. Moi, elle a eu peur. Elle dit pousse-toi, laisse-nous rentrer au bercail. J'ai eu mon brevet de vacher, moi. Ah oui. J'aurais pu être vacher. Mais du coup, en fait, elles sont en liberté. Toute la journée, ouais. Et elle rentre le soir. Ah oui, dans la montagne. Ouais. Elles vont loin ? Ah bah elles vont un peu partout. Ils les habituent à rentrer le soir et à ressortir comme ça, ils vont jamais loin. Moi quand j'allais courir, le gars il me demandait, vous avez vu mes chevaux ? Vous avez pied quand je redescendais ? Il y avait des chevaux aussi ? Ouais, il y avait des chevaux, il a des chevaux. Mais je crois que ça il a été. Ça a été racheté, c'est plus le même propriétaire. Ah oui, il a plus de chevaux. À mon avis, il n'a pas de chevaux. Tu petites, les habitues à non, avoir du grain le soir. Je leur donne du grain le soir. Et les vaches et le berger. Oh, regarde, elles ont un numéro dans les oreilles. Ouais. Et nous, c'est sur la carte vitale. C'est ça, oh, la carte d'identité. Ils n'ont pas osé. Ah, ils n'ont pas osé nous la mettre dans l'oreille. Ils n'ont pas osé nous mettre des petites là. C'est les stars, là. Allez, allez. Le berger, il est en train de dire qui c'est dessus, hein. Avec son béret rouge, il va se prendre un coup de corne, André. Allez, viens, viens. Allez, on peut rentrer à la maison, là, hein. Il a pas peur, là, putain. Bah, ils vont pas te charger, mais... Bon, après, faut marcher. Faut marcher sur les pierres, après. Il y en a des grosses, là. On y va. Les vaches, marche pour les pieds. Ah oui, oui, oui. C'est cool. Hein. De toute façon, à chaque fois, on les voit. Hein. Super, j'ai pas trop envie d'y aller. Hein. C'est pas des puces d'eau, parce que les puces d'eau, elles te piquent au pied quand tu es au bord de l'eau. Moi, c'était des, je sais plus comment ça s'appelle, des axiomes machin. En fait, faut pas faire sécher ton t-shirt sur les pierres au bord de l'eau, sinon... Après, quand tu le mets, bah, c'est là où elles ont pondu dans mon dos. Et ça pond sous ta peau, et après... Mais c'est pour ça que... J'ai tout le temps chez moi des fioles de... grenouilles. Ouais, j'en ai 5 ou 6, j'en ai partout. Dans tous les endroits où on est, j'en ai sur moi. La pharmacienne, elle voulait me donner des corticoïdes, là. J'ai dit, mais je veux que ça s'arrête, aidez-moi. Elle dit, bah, je sais pas ce que c'est, je peux rien faire pour vous. Oh, la panique, quoi. C'est un super endroit. Ah bah je suis en train de filmer sans le savoir, super. Ah bah, en plus, j'ai dû appuyer en marchant, tu sais. Oh le beau chemin. Alors ce qu'on disait c'est que la bouse de vache, c'est un très bon combustible. Et voilà, une bouse de vache séchée, hein. Pas de la fraîche. Hein. C'est un très bon combustible, c'est un bon aussi pour le jardin. Si t'as pas de bois, tu prends de la bouse de vache. C'est bon aussi pour le jardin. Hein. Ça réchauffe. Et tour de Massane là-haut. La tour de la Massane. C'est une belle randonnée à faire aussi. Oui, une belle course à pied. Une course à pied, ouais, il faut s'entraîner. C'est ça. On n'est peut-être pas prêts, nous. Hein.
Bah, dans les kayaks, c'est vrai que j'ai pas trouvé un petit peu de courrier là-dedans. Mmh. Bah, moi j'aime bien m'isoler. Oh la belle bouse. Oh, randonnée, ouais, nickel. Il y a encore un bassin là. Bah, on longe, en fait, il y en a partout tout le long. Et il y a des cascades, ça te fait des micro-massages du dos. Bon, là, ça, comme elles ne coulent pas beaucoup, elles sont petites, les cascades. En plus, elle nous laisse passer, elle se range. Elles sont belles, les grises, là. Les grises et blanches, elles sont jolies aussi. Hein. Oh. Ils sont bien ici, hein. Il fait bon vivre. Elle s'est pas mis de rimmel, elle veut pas, quoi. Oh. Trop bien le bassin, là. Oui, pas mal. Pas mal, hein. Tu peux faire Tarzan, en plus. T'as vu, ils ont mis une corde. Et ici, tu vois, en fonction de s'il y a des gens ou pas, tu t'arrêtes. Tu choisis ta piscine. Voilà. Balade à la vaille. Waouh, il est beau le bassin là. Oh, il me plaît bien celui-là. Ah bon, on va peut-être y retourner alors. Hein? Hein? Ah, petit toboggan, oh. Petit toboggan là. Oh. Regarde ça. Oh. Il est beau, hein. Un beau petit bassin.